Bonjour YouTube, c'est Agadou pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui va vous permettre d'avoir un fond d'écran animé sur votre ordinateur. Ce logiciel, c'est Deskscape et il est disponible sur le site de Stardock. Attention, ce logiciel est payant, mais il y a une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo. Une fois le logiciel installé et activé, il faut aller dans les paramètres. Le premier onglet permet de contrôler comment Deskscape agit sur l'ordinateur au niveau des performances. Si vous ne savez pas, cliquez sur le bouton qui va détecter automatiquement les meilleurs paramètres. Les deux options du bas concernent les ordinateurs portables. La première vous permet de mettre en pause le programme quand le portable est sur batterie. La deuxième permet d'avoir une notification quand le programme se met en pause. Le deuxième onglet permet lui d'ajouter des dossiers personnels pour choisir les fonds d'écran, sachant que cela peut être des images ou bien des vidéos. Et enfin, le troisième onglet permet d'ajuster plus précisément le fonctionnement de Deskscape en fonction du matériel que vous possédez. Une fois tout cela terminé, vous cliquez sur OK et ensuite vous allez pouvoir choisir un fond d'écran, animé ou non. Bien entendu, l'intérêt principal de ce logiciel, c'est de pouvoir mettre un fond d'écran animé. Ils sont reconnaissables par le petit logo en bas à droite de la miniature. Par exemple, si vous prenez le premier, celui qui représente la Terre, on ne voit pas grand-chose bouger. Mais c'est normal, puisqu'en fait, ce fond d'écran représente la rotation de la Terre en temps réel. Donc, au fur et à mesure de la journée, l'endroit où le soleil éclaire la planète va changer. Mais si vous voulez quelque chose de plus dynamique, vous pouvez prendre le deuxième fond d'écran et vous voyez tout de suite ce que cela peut donner en miniature. Il suffit ensuite de cliquer sur Apply to All My Monitor pour que la magie opère. Il est également possible de télécharger d'autres fonds d'écran en cliquant sur le lien en bas à gauche. Celui-ci vous redirige vers l'excellent site WinCustomize, directement à la page où vous allez trouver énormément de fonds animés. Par exemple, pour Noël, je peux taper Christmas, car le site est en anglais, afin d'avoir un choix conséquent de fond d'écran en thème avec Noël. Attention, afin d'être sûr que le fond d'écran soit animé, il faut rester dans la catégorie Dream sur le site WinCustomize. Autre chose, si vous possédez plusieurs moniteurs, vous pouvez choisir d'appliquer le fond d'écran sur un des deux seulement. Cela permet de pouvoir mettre un fond d'écran animé différent par écran, ce qui peut donner des résultats assez sympathiques. Il est possible également d'ajuster les fonds d'écran en cliquant sur Adjust ou Settings selon le fond d'écran choisi. Par exemple, pour le fond avec les fourmis, je peux choisir de supprimer les fourmis. Enfin, il est possible également d'appliquer des effets sur les fonds d'écran. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton Effects et de choisir l'effet voulu. Il est même possible de combiner plusieurs effets avec le bouton Combined Effects. Une fois sélectionné, il suffira de donner un nom à votre effet combiné et de choisir jusqu'à 4 effets cumulés, vous laissant ainsi libre cours à votre imagination. Voilà pour la présentation de ce logiciel, il est possible de le tester pendant 30 jours, je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description. Au-delà de la période d'essai, il faudra procéder bien sûr à l'achat du logiciel pour continuer à en profiter. Il est actuellement à 9,99$ sur le site officiel. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, petite surprise, il est disponible pour moins de 1€ sur Humble Bundle, site dont j'ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, que je vous invite à regarder en cliquant sur la fiche en haut à droite de la vidéo pour comprendre plus en détail comment il fonctionne. Sachez également que pour moins de 1€, vous aurez donc Deskscape, mais également 3 autres logiciels qui s'avèrent très utiles, notamment Fences, un logiciel qui permet de trier les icônes de son bureau Windows. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à la partager, cela m'aide à faire connaître mon travail. Si vous connaissez d'autres logiciels de gestion de fond d'écran animé, ou bien si vous avez en tête des fonds d'écran pour le logiciel Deskscape qui vous ont particulièrement marqué, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Également, n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos qui apparaissent sur le côté gauche de l'écran. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon logo qui apparaît au centre. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo, je vous dis à très très vite, bisous biscottes.